du Spider-Man des années 80, 80, 81, 82, 83. J'ai décidé de vous parler de Spider-Man, Marvel Spider-Man, et intégrale 1984, qui est très importante cette date. Parce qu'en fait, si vous voulez, déjà on va voir une histoire que le début ne me semble pas nécessaire. C'est pas mal, mais c'est pas la meilleure histoire au début, parce que je vous parlais justement de mon histoire préférée, qui s'appelait L'enfant qui collectionnait Spider-Man. En anglais, c'est Make a Wish, qui est le numéro... Pas que je dise de bêtises. Je crois que c'est le numéro 49. Ouais, c'est ça. C'est Amazing Spider-Man 49, et c'est pour ça qu'on aime les histoires de Spider-Man, parce que celle-ci, c'est un chef-d'œuvre. Amazing Spider-Man 2 s'en inspire légèrement, et c'est pas trop mal fait. Ça aurait pu être bien meilleur s'ils auraient respecté tout le bouquin. Après, l'initiative était intéressante. En fait, c'est un chef-d'œuvre parce que dans cette histoire, Spider-Man, en fait, il va aller voir un enfant qui est malade, et en fait, parce qu'il a reçu justement une lettre, et qu'il va voir un enfant qui est malade et qui était fan de Spider-Man, et ça pose aussi question. C'est plutôt le bon côté de la chose, vous savez, des jeunes qui sont qui aiment des gens qui sont connus à juste titre ou pas, et qui vont voir les enfants qui sont malades, parce qu'en fait voilà, les gens maintenant sont connus, mais ils doivent servir d'exemple aux jeunes générations. Je pense à ce que fait très bien Kylian Mbappé par exemple, ou d'autres personnes qui sont bien, qui sont louables. Et en fait l'histoire elle est juste magnifique, parce que justement voilà, en fait, le petit lui montre que voilà qu'il est fan de Spider-Man, et puis ça dit en long le fait que justement là on s'intéresse à, comment vous expliquer ça, à la réalité, c'est-à-dire aux enfants par exemple qui sont malades ou pas, et qui et en fait c'est ça le cœur de l'histoire, c'est on s'intéresse aux enfants et au fait qu'ils soient dans un hôpital ou pas, et que Spider-Man ça représente pour eux, et à l'image même de gens connus, je sais pas moi. Il y en a plein, par exemple pour les basketteurs, je sais pas moi, LeBron James, par exemple Kobe Bryant ou d'autres gens. Parce que moi ça me rappelle aussi mon enfance où nous on était fans de grands sportifs, de grandes personnalités. Et donc du coup, voilà, cette histoire est vraiment intéressante pour ça. Et du coup c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que c'est une de mes histoires préférées, et justement on voit que Spider-Man raconte à l'enfant qu'est-ce qu'il en a fait pour en arriver là où il en est arrivé. Et je trouve que c'est un exemple, en fait, dans le sens où il raconte sa vie, et l'enfant, ça va le marquer pour de bonnes choses, parce qu'il a l'un de ses héros, en fait, qui lui raconte comment il est devenu comme ça, et que c'est pas évident, qu'un grand pouvoir avec de grandes responsabilités. Et voilà, en fait, il lui donne exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et en fait, lui, le gamin, il a collectionné tout ce que Spider-Man a fait dans sa carrière. Et cette histoire, elle est dans Spider-Man 94, elle est juste sublime, magnifique. Et en fait, c'est très touchant, parce que dans cette histoire, en fait, on voit que l'enfant est en phase terminale, comme dans la série 94, et c'est très touchant. Et en fait, on voit... parce que le gamin, il voulait que justement savoir qui est Spider-Man, et lui, il enlève son masque. Il attendait pour vous dire. Et à un moment, il lui dit... Tu sais que c'est mon plus grand secret, si les gens connaissaient mon identité, je n'aurais plus une seconde de paix, tous mes amis seraient en danger. Et lui, mais il dit, mais je ne le dirai à personne, jamais de la vie, je te le jure. Et après, Spider-Man, il dit, je te crois, Tim, mais je ne peux pas. Et après, il dit, Tim, voilà, je suis Peter Parker, c'est à moi qui ai fait la plupart des photos qui apparaissent dans ces articles. Et voilà, je trouve que c'est très touchant, c'est très bien écrit. Et que la première histoire était pas mal, hein, c'était pas mal, c'est une histoire d'action. Et celle-ci est un chef-d'œuvre parce qu'on voit justement un héros partager quelque chose de fort avec son fan. Et du coup, la série de 94, elle fait ça, mais d'une manière brillante. Et je l'ai pas mis. C'est assez marrant parce que c'était mon histoire préférée. Après, c'était dur. Parce qu'en fait, la série Spider-Man des années 90-94 était tellement exceptionnelle. J'avais trop de choses à dire. Mais un jour, je pense que je le ferai. Je ferai au nom de la chaîne. Et parce que je parlerai de ça, parce que en fait c'est un moment incroyable, c'est une histoire incroyable, et un jour je le ferai, voilà, parce que c'est une histoire, elle est sublime, c'est une de mes histoires de Spider-Man préférées. Il y en a d'autres qui sont très bien faites, mais celle-ci je la trouve pertinente et extrêmement émouvante. Et en fait il dit, tu veux dire que pendant toutes ces années Jameson t'a payé pour que tu fasses des photos de toi? Et Peter Parker lui dit oui, et il dit, c'est incroyable, j'aimerais tant
le lui dire. Et après, et bah, Peter Parker, Spider-Man, lui dit, moi aussi, mais c'est impossible. D'ailleurs, tu ne dois dire à personne que je suis venu ici. T'inquiète, pas, je comprends. Ce sera notre secret pour toujours, je te promets. Et après, il lui dit, bien, alors on est amis. Oui, Pete, à la vie, à la mort. Et après, il dit, bon, il se fait tard, je dois y aller. Et toi, tu dois dormir. D'accord, bonne nuit, Peter Parker. Prends soin de toi, Tim. Et en fait, à la fin, voilà, on voit que le gamin, voilà, il est en phase terminale. Et après, c'est écrit. Quand je lui ai demandé quel était ton plus grand souhait, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, Monsieur Conover, je voudrais rencontrer Spider-Man et parler avec lui juste quelques minutes. Alors j'espère que Tim, tu pourras réaliser son souhait. J'espère que l'araignée lira ses lignes. J'espère que mon rédacteur se trompe sur ton compte et que Spider-Man trouvera le temps de rendre visite à un courageux petit garçon comme Tim Harrison. J'espère qu'il le fera vite, car Tim Harrison est atteint de leucémie et il ne restera que quelques semaines à vivre. Voilà, je trouve ça très émouvant, magnifique. Et voilà, après, je vais vous raconter une autre histoire. C'est assez compliqué à vous expliquer. En fait, le super au fond, voilà, c'est super compliqué à expliquer. On va dire que le super au fond, dans ce moment d'histoire, on ne sait pas qui c'est, ce qui est vrai. Et en fait, il fait du chantage à plein de gens. John Jameson, Harry Osborn, parce qu'il connaît le secret de beaucoup de gens. Et du coup, il les menace de les faire chanter. Et justement, ben, par exemple, il faisait chanter Harry parce qu'il sait que son père était le Bouffon Vert. Enfin, le Super Bouffon, on savait que Norman Osborn était le Bouffon Vert. Et du coup, ben voilà, ça rappelle l'historique de plein de choses. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que voilà, le Super Bouffon essaie de faire chanter tout le monde. Et après, ben voilà, Spider-Man va arriver. Bon, déjà, on voit que voilà, c'est un robot à l'image de la manipulation du personnage. C'était très bien écrit. Voilà, après on voit le bouffon vert qui arrive vraiment et on voit Spider-Man qui s'affronte dans un endroit où il y a Wilson Fisk. Et voilà, on a un combat très intense qui est assez fidèle dans la série Spider-Man 94. D'ailleurs, c'est la seule série animée où on voit le super bouffon. On le voit dans la dernière série aussi, mais surtout dans celle de 94. Et il est super bien fait, le super bouffon. Et j'aurais hâte de le voir dans la nouvelle série comment on appelle ça? Dans la nouvelle trilogie de Spider-Man. Et voilà, et je sais pas qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Ouais, en fait, on voit que le Spider-Man est à la merci du Super Bouffon. Mais étrangement, Wilson Fisk qui vient sauver Spider-Man, c'est assez drôle d'ailleurs. Et après, voilà, on va enchaîner. Voilà, après, confession. Et après, on va avancer un petit peu. Sinon, j'aurai pas le temps de tout vous présenter. Voilà, après le bouffon, il voit que Spider-Man lui a mis un traceur. Et après, voilà, Spider-Man a retrouvé le super bouffon. Ils vont se lancer dans une lutte sans merci. Vraiment, un combat très intéressant. C'est très très bien écrit. Voilà, on voit un antagoniste, on va dire à la hauteur du bouffon vert. Et du chacal, après, c'est pas la même chose, mais on a dans ces années 80, pour moi, c'est le super bouffon avec Hydro Man, le fléau, fait partie des antagonistes très réussis de Spider-Man. Et dans cette époque-là, même si c'était le cas dans les années 60 et 70, on avait de très bons antagonistes, mais là, c'est plus sérieux, c'est plus intéressant. Et voilà, que ce soit Hydro Man, le super bouffon, voilà, c'est vraiment très réussi. Donc, ils vont se livrer un combat sans merci, qui est très bien fait. Voilà. Voilà, on voit que voilà, on va enchaîner un petit peu. Voilà, après, c'est vraiment très bien fait. Le combat est super intéressant. Et voilà aussi, là aussi, c'est super bien fait. Voilà, pas mal. On va continuer. Voilà, les deux se livrent un combat sans merci. Très bien fait. Non, franchement, super bonne histoire. Voilà, moi, j'ai beaucoup kiffé cette histoire. Et à un moment, en fait, il y a un accident dans la voiture du super bouffon pendant le combat entre. Et non, non, franchement, c'est vraiment bien foutu. Voilà, après, voilà, on voit que ça continue entre le bouffon vert et Spider-Man qui se livrent à un duel sans merci. Attendez. Jusqu'au moment où là, vraiment, tout explose. Voilà, et après, il va finir dans l'eau. Attendez. Voilà,
Et entre les deux, ça passe ton sévère. Franchement, le combat est vraiment très bien fait. Et puis, on voit que c'est un méchant épique. Si vous voulez, pour moi, dans les années 60, bah, on a le Bouffon Vert, Octopus, Electro, le Voto, Mysterio, Kraven. Et je trouve que, quand vous expliquez ça, dans les années 70, on a le Bouffon Vert qui est incroyable aussi, c'est, qui signe aussi ça, la fin d'un peu du personnage. On a l'Homme Loup, on a Morbus, on a le Chacal, on a Tarantula, qui sont vraiment excellents. Et dans les années 80, voilà, on a Hydro-Man, comment il s'appelle, le Fléau, qui est un méchant des X-Men de base, mais quand on voit affronter Spider-Man, on a, j'ai oublié son nom, le Super Bouffon, voilà, qui redevient un ennemi emblématique de Spider-Man, et qui est très réussi. Et voilà, après, voilà, il cherche le Bouffon Vert, mais on ne trouve pas. Et c'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Et en fait, voilà, on voit que Spider-Man est... comment vous expliquer ça? Et j'ai dit Octopus, rien à voir. Et Spider-Man et John Jameson, ils se disputent parce que... En fait, le Bouffon Vert savait qu'il avait aidé Scorpion, ce que le grand public ne savait pas. Et du coup, comment il s'appelle en fait, justement, il veut régler ce truc, John Jameson. Et du coup, ben... Il désigne Robbie Robertson en tant que rédacteur en chef. Et en fait, il a justement divulgué cette information et il est allé à la justice pour régler ce différend. Et du coup, voilà, je vais continuer. Et après, voilà, on va voir le vaisseau du Beyonder. Et je vous en parlerai dans une autre histoire. C'est là où, en fait, il va avoir les guerres secrètes. Et Peter Parker Spider-Man va avoir le costume noir. Et voilà, je vais continuer pour le coup. Et justement, à un moment, il se met où sont passés ces super-héros, parce qu'ils disparaissent dans la guerre secrète pendant je sais pas combien de temps. Et donc, du coup, le journal se dit, ben, où sont-ils? Et après, en fait, ils vont revenir sur Terre. Et en fait, justement, on va voir Spider-Man avec un nouveau costume, un costume noir qui est magnifique, qu'on a découvert dans la guerre secrète. Mais qu'on découvre justement dans les pages de Amazing Spider-Man et on voit qu'il ramène le Dr. Curtis Connors. En fait, on voit que le costume noir qui est le symbiote, voilà, qui est une histoire mythique et le costume est super bien fait. Et on voit un Spider-Man, voilà, plus impressionnant et plus fort aussi, plus agile, plus agressif. Et voilà, le costume est magnifique, très très bien dessiné, vraiment très bien fait. Et après, on va voir. Voilà, les Avengers arrivés. On voit que voilà, Spider-Man emmène le Dr. Curtis Connors. Et en fait, on voit que par la pensée, Peter Parker Spider-Man contrôle son costume. Et le costume est vraiment magnifique. Quand on aime Spider-Man, on aime forcément le costume noir parce que c'est juste magnifique. Et après, voilà, on va redécouvrir le personnage de Black Cat qu'on a découvert dans les années 70, mais qui est beaucoup plus approfondi dans les années 80, 90, un peu plus tard. Et c'est un personnage très réussi de Spider-Man. Voilà, et du coup, alors attendez, je vais avancer un petit peu. J'aime beaucoup les moments où en fait, on voit Peter Parker, Spider-Man et le costume. Et on voit que que les deux sont connectés l'un à l'autre. Et voilà, je trouve ça super intéressant. C'est plutôt bien fait dans les séries animées. Voilà, que ce soit 94, qui est pour moi une des versions les plus réussies. Spectaculaire Spider-Man, c'est très bien écrit. Ultimate Spider-Man, c'est un peu raté par rapport à ça. Et la dernière série, c'était pas trop mauvais aussi, c'était plutôt respectueux, on va dire ça comme ça. Et non, pour le reste, voilà, c'est très bien fait. Donc on voit Spider-Man qui revient de la guerre secrète en mode toujours héros du quartier, mais 2.0. Et voilà, il est juste magnifique en costume noir, voilà, magnifique avec des plans superbes. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais peut-être vous essayer de vous montrer les histoires les plus intéressantes. Et Spider-Man a affronté, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié, Jack O'Lantern, qui est, j'ai oublié le nom de comment il s'appelle, Jason Philippe, qui va devenir le futur super bouffon plus tard. Là, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer un peu qui c'est le super bouffon plus tard. Pour vous faire justement la surprise, ça peut être très intéressant. Donc du coup, on voit Spider-Man affronter notre ami Jack O'Lantern. Je vais continuer. Et je vais essayer de vous montrer les meilleures histoires. Parce que
Celui-là est assez inégal, mais en fait, c'est super bien dessiné, c'est plutôt pas mal fait. Voilà, là, il y a une histoire qui est très bien faite, où Spider-Man, en fait, il va affronter. Déjà, il va recroiser Black Cat, et en fait, on va avoir un trio avec Spider-Man, Black Cat et le Puma, qui sont tous les deux ensemble. Et j'aime beaucoup la relation Spider-Man, Black Cat, qui marche très bien. Et puis, il y a un autre méchant, voilà, on voit que Peter Parker est de plus en plus sombre, surtout par rapport au costume noir. Et ça, je trouve que c'est très bien fait, c'est très intéressant. Et on voit que les années 80, ben, de Spider-Man sont plutôt bien faites. Voilà, on a le personnage de la Rose. Parce qu'il y a plein de nouveaux personnages, de nouveaux méchants qui sont bien faits. Je pense à Hydro-Man, le Fléau, Scorpion, la Rose. Voilà, après on voit le personnage de Puma aussi, qui est magnifique, qui est très bien fait. Puma, j'ai déjà expliqué, mais c'est en fait, ça s'appelle Thomas Fahrenheit. C'est une sorte de... C'est compliqué à dire, on va dire que c'est une sorte de sud-américain qui, comment vous expliquer ça, qui dans sa tribu en fait, il se transforme en loup, ils ont en puma plutôt, et ils doivent assouvir une quête grâce à des potions en gros. Et là, sa quête à Puma, c'est de chasser Spider-Man, et donc du coup, ça va être très intéressant. Donc voilà, Mary Jane, elle voit Peter Parker, qui a une relation assez tumultueuse dans les années 80, ce qui est pas plus mal. Et après, on voit que Puma va chasser Spider-Man avec son costume noir. Et donc, du coup, c'est un adversaire de taille. Et hâte de voir dans un film, parce que ça pourrait être un excellent méchant. Voilà, après, on voit que Puma a assommé Spider-Man. Et après, on voit Black Cat qui va lui donner un coup de main. Et voilà, mais ça montre toute la voracité du Puma. Et sachant qu'en fait, il peut connaître l'identité de Spider-Man, parce que, en fait... voilà, c'est un puma, donc il peut sentir son odeur, et du coup il va traquer Spider-Man, et c'est super bien fait. En plus, quand on voit ça, voilà, Spider-Man il est un peu blessé. Bon, normalement, avec le costume noir, il devrait pas l'être, mais je pense qu'après ça va se guérir. Et voilà, on voit que le puma, voilà, il cherche Spider-Man grâce à son flair. On voit Black Cat qui lui donne un coup de main. Et voilà, après on voit qu'il peut enlever le costume noir. Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Et voilà, en fait on voit deux personnages. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Puma est un reflet de Spider-Man, mais d'une manière différente. Chacun a assouvi son destin. Et en fait, voilà, il sent que Puma arrive. Et j'aime beaucoup le fait que voilà, il sent que Puma arrive et que Mary Jane va être en danger. Et qui remet le costume noir, vous pouvez voir dans l'autre vidéo, où le costume se jette sur lui. Et voilà, les deux s'affrontent dans un combat pratiquement à mort. Et c'est un combat très bestial et très impressionnant. C'est très bien dessiné, c'est très bien écrit. Donc très bien fait. Et voilà, on voit que Spider-Man, il donne tout contre le Puma. Il fait preuve d'agilité, mais le Puma est... Voilà, c'est un animal déjà coriace de base, alors imaginez s'il est fusionnel avec un être humain, il a la férocité des deux, et on peut dire que Spider-Man galère contre le Puma. C'est vraiment un adversaire coriace, je kifferais le voir en jeu ou en film. Et puis voilà, je sais pas ce que je veux dire d'autre. Après on voit voilà, que Mary Jane elle découvre qui il est, qui découvre qu'elle sait que c'est Spider-Man, et puis voilà. Donc en tout cas, voilà, je vous invite à voir cette histoire, je pense que vous avez kiffé. Excellent bouquin, Spider-Man 1984. Voilà, donc je vous invite à le voir, à le regarder. Vous avez kiffé parce qu'il est vraiment excellent. Il y a des trucs assez inégales, il y a des histoires meilleures que d'autres, mais franchement, c'est un bon Spider-Man. Donc voilà, après 1981, 1982, 1983, 1984. N'oubliez pas de commenter et liker la vidéo. Allez, à tout le monde.